Bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le 39e épisode sur World of Final Fantasy. Désolé. Désolé. Dans l'épisode précédent, on a affronté les mechas qu'on a vaincu plus ou moins. Et on va aller voir la jeune fille sans nom, les amis, vite fait. Parce que pour ceux qui ne savent pas en ce moment, gratuitement, il y a un nouvel insigne qui est donné en DLC. Donc il faut aller sur le PlayStation Store. Ah. À moins que je l'ai déjà dans mes insignes. Voilà, il y a Sora qui est offert en DLC. Donc Sora, c'est le personnage de Kingdom Hearts. Donc voilà. Je suis désolé pour la toux, etc. Je suis à fond depuis quelques jours. Donc j'espère que ça va pas trop vous gêner. Et après on va reprendre notre aventure. Alors j'espère que cet épisode va sortir le lundi. Sinon ce sera peut-être un inversé avec Dragon Quest Builders. Alors désolé, je vais faire une petite ellipse, enfin une petite pause, je reviens tout de suite. Je suis vraiment désolé pour cette pause et pour ces quintes de tout, mais malheureusement je suis encore un peu malade. J'essaye de faire l'enregistrement pour éviter que vous ayez trop de délais entre les épisodes, mais hop, se déplacer via un portail, donjon, le chemin des chaînes. Ça fait quand même très glauque comme zone. Ok. Très glauque, très vide. Ces chaînes me donnent mal au cœur. Les mirages des environs sont dangereux, soyons prudents. En capturant ces mirages costauds, nous deviendrons plus forts, n'est-ce pas, Lan? Ouais! Pour le moment, c'est calme, mais j'aime pas trop cette zone en tout cas. Être en possession d'un pixie et réduire ses PV. Ok. Thank you.
Rimnia Rouleur. Alors je remercie aussi les personnes qui me donnent des conseils pendant le jeu pour capturer des mirages un peu plus rares, etc. C'est vrai que je vais rarement au Colisée pour en choper, mais il faudrait que je pense à le faire. J'espère que nous pourrons rattraper Awin, notre autre sœur. Qu'est-ce qu'il y a par là? On voit que c'est coupé. Il y a un coffre de l'autre côté. Ok. Tiens, c'est quoi? Hé, hey, là, mais pas tes doigts n'importe où! Ren! Où t'es passé? Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose? Tiens, on m'appelle! Non, toi aussi tu me laisses? Hé, hey, sérieux là, de faire quoi? De faire quoi? Bon, on le laisse un peu. Je t'empêcherai pas. Ah, voilà. C'est un téléporteur normal. On a déjà vu plein des comme ça. Bon, allez, arrête de faire comme si t'avais pas eu peur. On va pouvoir s'en servir pour aller en haut rapidement. Donc. Mais maintenant, si tu veux encore des mécanismes inconnus, demande-moi avant d'y toucher, compris? D'accord. Je viens de dire, t'as rien touché. Lan. Oups. Ouais, je vais faire gaffe. Au roi de la catastrophe, Lan. Barrière, ok. J'ai peut-être un truc de confusion. Barrière qui m'ont demandé de... Et l'autre c'est confusion. Est-ce que j'ai de quoi mettre confus? Thank you.
Voilà, j'ai le Minotaure, déjà ça c'est cool. Tout ça pour ça. J'ai pas son prisme. Bon, en tout cas, j'ai le Minotaure. C'est bouché. Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre. Il y a l'air d'avoir un téléporteur. Par contre. On va aller voir au cas où. Bah ça va, c'est pas trop compliqué. Il y a des petits pièges avec avec les créatures comme ça qui tombent des porteurs.
Je suis désolé, Ray. Hein, pourquoi? J'en peux plus, je vais abandonner. C'est bien trop tôt pour renoncer. Allez, si on l'a fait, on doit pouvoir y arriver, nous aussi, je pense. Là-haut, il y a l'air d'avoir un petit coffre rouge. Je sais pas si vous voyez, là, tout en haut, juste avant que ça monte vers le ciel. C'est un coffre ou un... Non, ça peut pas être un coffre. Un téléporteur. Tama, tu peux nous parler des chevaliers d'Exnovem? Ce sont des scélérats qui ne cherchent qu'à semer le chaos dans les mondes de Dame et Nacros. Des rats? Ce sont des ordures en gros. Ça va de soi. Ça fait un petit peu déprimé cette zone. Désolé pour cet épisode parce que c'est pas terrible de m'entendre tousser toutes les 30 secondes. Mega Phoenix, c'est cool. Ah, la zone est encore grande. Donc il reste aux flammes. Tu vas réussir tes attaques, mon petit Fulfrit. On va se soigner un petit peu. Oh non.
résister. On va se soigner. Ok. C'est pas le bon truc. Donc, si vous voulez, il devrait me transporter. Un petit coffre de cachet, non. On va faire le tour de l'autre côté. Pour vérifier, on sait jamais. Non, y a rien. On a déjà battu le rendez ici une fois, on a qu'à l'écraser pour de bon. La dernière fois, il ne cherchait pas vraiment à nous vaincre. Moi non plus, je me battais pas sérieusement. Je savais qu'on pouvait compter sur la. Il a plus à toi dans son sac. Ouais. Glan qui se la raconte un peu. C'est ça. Examinons. Désolé. Qui sont les trois chevaliers d'Exnovem qui sont devenus les envoyés Tama? Je n'ai pas pu confirmer moi-même, mais. Les chevaliers d'Exnovem sont une organisation militaire. Comme ils sont nombreux, ce n'est pas étonnant que je n'ai jamais vu ces trois-là. Mais tant que ça, sérieux? Oui, et parmi eux, ceux qui ont un nom et un numéro sont les plus dangereux qui soient.
とてもとてとて凶悪なのです。その世界にセイバーとか。Il n'y a pas de sauveur dans ce monde. Mais bien sûr, s'il n'y en avait pas, c'est l'intégralité du Google Plex des mondes qui aurait été détruit. Mais ils ont tous un nom, ces envoyés, non? Oui, je les ai entendus les utiliser. Je ne les ai jamais vus tous au même endroit avant. Tout ira bien, les sauveurs et tous nos mirages nous aideront à protéger les rois. Pas de coffre. Je préfère vérifier quand même au cas où. Ah, on arrive au bout. Ça a l'air bouché, mais est-ce qu'il y a un coffre? Ça a pas l'air. Il n'y en a pas l'air du moins. Soit je n'ai pas le prisme, soit je sais pas pourquoi ça marche pas, mais je vais pas m'embêter à... Ferrier. Alors, je sais pas sous quelles conditions je peux transformer, mais... j'ai fini sans se farier.
Pageur, je vous l'ai fini. Quasiment fini sans se varier aussi à lui. Petit free fight. Qu'est-ce qui lui reste? Placement libre. Plus de coups critiques. Plus de défense physique. Ça, on a quasiment fini aussi Ifrit et Shiva. Je ne sais pas du tout quel côté va utiliser, on va aller par là. Ça a l'air d'être le bon côté cette fois-ci. Un élixir, ok. Vous pouvez regarder derrière ce qu'il y a. Rien de spécial. On va pas s'embêter. On va aller vers la petite étoile. J'espère qu'on sera sorti de cette zone qui est un peu glauque. Eh oui, ça y est. On y est. La forteresse. Le château d'Exnovem. Ce calme fait froid dans l'eau. Oui, c'est flippant. Avoir le vertige. Un petit point de sauvegarde, ce serait sympa aussi, s'il vous plaît. Ah, ça me plaît bien. On va retourner au 9 Framen. Et les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je suis désolé, je préfère préserver un peu ma voix. Donc bah,
J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Ciao.